De Casseville, dans l'Aveyron. Il existe ici une mine à fleurs de coteau dans laquelle les charbonnages de France ont décidé de faire filmer une nouvelle machine d'abattage, la haveuse intégrale. D'où cette arrivée de camions transportant 2,5 tonnes de matériel de cinéma, immédiatement chargés dans des berlines pour être installés dans les galeries. L'opération est délicate car rien n'est plus éloigné d'un studio de cinéma qu'une mine de charbon. L'équipe, composée d'un réalisateur, d'un opérateur, d'un assistant, de 10 électriciens, a dû mettre en place pendant 2 jours 300 mètres de câbles, plus de 40 projecteurs de 2 à 5 kW, alimentés par un transformateur spécial. Cet appareillage électrique particulièrement imposant s'explique par le fait qu'il s'agit de tourner un film en cinémascope et en couleur. La forêt des étançons de soutènement rend très difficile le réglage des projecteurs. Et plusieurs fois, le tournage a été interrompu en raison de la chaleur dégagée par les lampes, chaleur présentant un réel danger dans la mine, bien que la taille ait été arrosée. Le problème le plus compliqué à résoudre était celui du travelling dans une taille inclinée. Pour prendre des images avec une caméra en mouvement se déplaçant sur rail, à une allure régulière, sans à-coups, il fallut avoir recours à un système de contrepoids. Voici d'ailleurs une image tournée en scope et que nous vous présentons non rétablie, c'est pourquoi elle a cet aspect inhabituel. Désormais, chacun pourra voir en action cette haveuse intégrale et se rendre compte de l'équipement ultramoderne des mines françaises.